Fast Love, c'est une ode à l'aventure d'un soir. Et cette fois, George Michael ne parle plus des jeunes filles amoureuses du chanteur sexy de Wham, mais de ses conquêtes masculines. Si son duo de Wham a révélé ses talents créatifs, c'est dans une carrière solo qu'il a voulu s'épanouir et se libérer d'une image qui l'emprisonnait. Le premier groupe de George Michael, ici à gauche, et Andrew Ridgeley à droite, n'avait pas donné grand-chose dans les années 70. Et George est encore loin de l'icône sexy qu'il va devenir. Changement radical au début des années 80. Le groupe Wham, c'est George Michael, Andrew Ridgeley, deux amis d'enfance qui veulent donc essayer d'apporter comme message « Amusons-nous ». Quatre années de tubes et de tournées triomphales. Et puis, en 86, George Michael stoppe le duo. Il a d'autres ambitions. C'est cette fameuse ballade qui va décider George Michael à partir en solo. J'ai joué sur cet enregistrement qu'on connaît tous et je me souviens m'être demandé « Est-ce que ça va faire un tube ?» J'en sais rien. Mais lors de notre tournée américaine, la vidéo est passée dans une discothèque de Dallas. Et là, j'ai compris. Ah oui, c'est vraiment un tube. Désormais, c'est un chanteur un peu plus rock. Et tout aussi à l'aise dans ce morceau un peu plus jazzy. On a fait peut-être 8 ou 10 prises et à chaque fois, George a chanté en direct avec nous. Chaque prise était fabuleuse, la voix parfaite, la mélodie impeccable. C'était vraiment un musicien talentueux. Dans ce clip Freedom, George Michael brûle les symboles du chanteur sexy. Il n'en veut plus, il a d'autres révélations à faire. C'est donc dans son troisième album, il y a 25 ans, que George Michael tombe le masque. Il chante pour Anselmo Felipa, son grand amour masculin mort du sida. « Je t'ai attendu toutes ces années et quand notre histoire a commencé, la maladie t'a emporté », fredonne-t-il dans cette chanson poignante. Mais c'est 2 ans plus tard qu'il fera son coming out, après un flagrant délit exhibitionniste dans un lieu public médiatisé par la police américaine. Le clip a fait le tour du monde. C'était un peu pour se moquer de la police. Pour se moquer de l'agent qui l'a arrêté. Effectivement, il en fait aussitôt un tube coming out et auto-dérision, une chorégraphie policière dans les toilettes disco. Après 15 ans de carrière, l'ancien chanteur a groupi, se sentait enfin lui-même et n'avait plus rien à cacher.